Et là, il y a la chambre, je pense. Donc, la chambre et un couloir. Donc, voilà. Cour, là, donc là, il y a le couloir. Oui, le couloir, t'as oublié. Oui, parce que je te disais tout à l'heure. Là, il y aurait un couloir, en fait. Voilà. Et là, c'est une chambre, alors. Voilà, voilà. Là, il y a la chambre et le jardin. Voilà. Voilà, bon. Ah, c'est approximatif. Hein. Oui. Bon, voilà. Et puis, on ira là-haut pour voir. De toute façon, au-dessus, il y a la chambre. Ouais. Et encore au-dessus, chambre. Ouais. Voilà. Et puis là aussi. Ah, c'est bon, c'est situé là. Moi, peut-être. Moi, j'ai mis du temps à gérer le truc. Hein. J'ai mis du temps. Donc, la cuisine qui nous plaît beaucoup. Il y a quelque chose qu'on adore, c'est qu'il y a des crucifix partout. On vous les laisse. Vous les laissez. Ah oui, vous les laissez comme ça. D'intérêt en fait, mais on y a pensé largement. C'est ce qu'on a fait. Parce que mon mari disait que vous aviez parlé, que vous aviez... Oui, puis mon chéri il adore, donc il dit ah, elle est trop bien, ça va être bien. Je dis bah oui, mais moi à un moment donné, il faut faire des choix. Mais on y a pensé largement. Hein. Qu'il y a une bonne atmosphère. On y a largement pensé, hein, largement. Mais bon, après, oui, après, c'est quand même des grandes maisons, derrière, bon, c'est quand même de l'entretien. De soi, quoi, pour vraiment, voilà, faut la faire vivre, faut y être, et on peut pas être parfait. Là, j'ai une maison de verre devant, laquelle se voit bien, qui est ici. Donc, c'est la question. Est-ce qu'il y a une maison de police l'été ici? Ah, ben, comme tout la Bretagne. Oui, c'est touristique. Ouais. C'est touristique la Bretagne, quand même. Dans le livre, il y a des trucs, hein. Surtout ici, en plus, c'est quand même un village...
pour monter à l'étage, c'est par où? C'est par là. Par le garage. On va monter. Oui, on y va. Est-ce que vous pourrez nous donner le nom de l'artisan là, auprès de qui vous avez fait? C'est vrai que c'est un peu bizarre de passer par le garage. Ouais, off. Donc là, on accède à la deuxième maison, en fait. La deuxième d'origine. Plaf. Y aller ? Oui, bah oui, oui. Bah oui, le placard, on vous le laisse, hein, le placard qui est dans le couloir. On le laisse, il est grand, il est bien. Il y en a dans toutes les pièces. Hein, ouais. Oui, alors là, c'est une armoire, c'est pas un placard, c'est une armoire. Oui, donc là, en fait, il y a trois chambres ici. C'est pas pour demander, hein, c'est pour savoir. Non, oui, oui, il n'y a pas de souci. Alors, les armoires. Thank you.
Et après, c'est après qu'ils ont vu que je vendais aussi et que du coup, en passant par moi, c'était pas un agent immobilier. Tu comprends? D'accord. Alors, du coup, en plus, comment je te dirais? En plus, lui, il avait un acheteur potentiel. Enfin, un acheteur. Il a téléphoné au même moment où moi je faisais visiter aux gens. Il a téléphoné pour dire super nouvelle, voilà, il y a quelqu'un qui. Les boules quoi, parce que au même moment ah, il a appelé, moi je partais pour faire visiter aux gens. Alors du coup non, elle a dit je suis désolée, voilà, ma mère a s'est engagée en même temps que vous appeliez. Il était Robert bien, et en plus les gens avaient appelé si vous avez visité, par contre, c'était mort. Hein. Oui, ça, c'est sûr. Si vous avez visité avec l'agent immobilier, ça, c'était mort. Ah oui, il n'y a pas eu de visite derrière. Non, juste à côté. On a annulé, du coup, c'était aujourd'hui, à 13 ans. Mmh. On a annulé, puisque les gens... Ah oui, ça fait quand même économiser 4 000 euros. Ah, oui. C'est pas négligeable, hein, 4 000 euros. Alors, voilà. Ce que vous aviez, c'était un chômeur, je pense. Quel affaissement de façade? Vous savez, au-dessus du garage, la façade s'affaisse.